Alors en fait, pour moi, faire du cinéma était corrélé presque à parler de ce sujet, de parler des jeunes de village. Et donc ça vient de très loin, ça vient de mon adolescence et de la jeunesse que j'ai vécue, du rapport à l'amitié dans ces petits villages en France. Et dès que j'ai commencé à faire des créations artistiques, j'ai fait les beaux-arts, j'ai commencé à peindre, à faire des dessins, des portraits de mes de bandes, de mes copains, de voilà. J'ai immédiatement, presque instinctivement, eu besoin de représenter et parler de cette jeunesse qui en France est invisibilisée. On parle beaucoup des jeunesses de banlieue, des jeunesses des villes, ou alors de la campagne très profonde, mais il n'y a pas de jeunesse, alors qu'en fait c'est une majorité. Donc ça vient d'aussi loin que ça, et après je ne pouvais pas faire d'autres films que ça. Si je ne faisais pas Chien de la casse, je m'en fous un peu de faire du cinéma. Donc j'ai eu désir absolu. En fait, moi j'ai beaucoup de points communs avec Dog. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très introverti et qui peut sembler de l'extérieur un peu passif, alors qu'il ne l'est pas forcément, il est même plutôt actif. Voilà, j'ai usé de mes points communs pour rentrer dans ce personnage. Et puis après les discussions avec JB, qui lui-même un introverti, un hypersensible, m'ont aidé très rapidement à rentrer dans ce personnage de Dog. Et puis l'amitié avec Miralles, nous on était déjà très potes avec Raphaël, donc c'était plus facile de rentrer dans une histoire de toujours, voilà. Et même si après ça se délite un petit peu, mais ça s'est fait au fur et à mesure, quoi. Alors chien de la casse, c'est une expression française, mais je vous rassure, si vous la connaissez pas en Italie, la moitié, voire les trois quarts des Français la connaissent pas non plus. C'est vraiment une expression générationnelle qui signifie le crevard, le charognard, le mec qui va faire quelque chose pour lui au détriment de ses potes, l'égoïste. Et au-delà de cette expression qui parle un peu du rapport où chacun a l'impression d'être le chien de la casse, que l'autre est un chien de la casse, c'est aussi d'avoir le chien dans le titre, et c'est la métaphore de leur amitié, c'est-à-dire l'obéissance, l'amour inconditionnel, la fidélité, la soumission. Et c'est voilà un peu l'élément symbolique et théorique du film, c'est leur rapport amical. Donc double raison d'avoir ce titre. Et puis c'était vraiment le point de départ, quoi. Un peu intuitivement, j'ai écrit Chien de la casse, et puis après j'ai démarré l'écriture du film. Merci.